faire vraiment une pioche en fer. Parce qu'il marque crafting only. Donc ça ne servirait à que dalle de faire ceci. Faudrait qu'on commence en fait Tinker. Oh, lag. Gros lag. Ouais, ça me fait un peu chier. C'est normal. Oui, mais bon. Alors. Voilà. Alors du coup, on va faire cuire quand même le fer, histoire de pouvoir se faire une petite armure. La péridode, ouais, c'est pas con. Bah, il faudrait déjà l'éliminer. Faudrait déjà l'éliminer un petit coup. Je sais que là-dedans, il peut y avoir des petits trucs sympas dans cette zone-là. En plus, on a de la bouffe plutôt gratuite. Hop. Alors, petit lag. Quand je vais voir Walker, je vais expliquer. Ouais. User left your channel. Donc du coup, tranquillou. On va juste manger un petit coup là en plus, bon, ça devrait le faire. Alors du coup, ça il faudrait que je le pose pour avoir cette petite barre de bouffe. Il peut être pas mal. On va mettre notre petit point également ici. Hop. Et il faudrait que je fasse un set home. L'avantage d'avoir ce mode. Home set. Non. Set. Home. Home. Ah bah oui, il faudrait que je fasse ça. Voilà, bah, j'ai fait un set home sur un coffre. Oui, bah oui, logique, hein, en même temps. Non, il n'y a pas de Project E. Project E est trop cheaté. Et non, et puis il n'y est pas sur le pack, parce que sinon j'aurais peut-être mis... Mais en même temps, c'est trop cheaté, donc non. Ou sinon, faire le comme dans un pack qu'il y a sur un mode pack curse. Que Project E, en fait, tu le fais qu'à partir de la fin. Une fois que t'as généré tout derrière. Donc, attendez un petit coup. Hop, je regarde un petit coup. Voilà. Regarde juste un petit coup de la console. On est plutôt tranquille hein, niveau machine derrière. Actuellement on bouffe une trentaine de gigas sur la machine. Donc ça va. Tranquillou. Bon, notre fer est fait. Akinovrière. Je vais juste me faire un. Plastron. Tu vois, les plastrons sont buggés en fait. Ça n'affiche pas le craft. Alors, est-ce que ça vient du ressource pack? Peut-être, je n'en sais rien. Donc voilà. Sur quoi voudriez-vous qu'on passe au niveau du mode? Volger, tu m'étonnes. Les crashs du net, c'est chiant des fois. On a ça, il faudrait nous prendre un peu de cailloux, ça je vais le laisser là. Je vais poser. Alors l'avantage c'est qu'on a des potes aussi de ce genre de choses. Alors les lags viennent en fait de Chicken Chunk je pense, c'est pour ça qu'il a été désactivé de base, le mod, ce qui est un peu chiant. Ça doit être pour ça qu'il a été désactivé en fait.
Parce qu'il doit créer en fait des bugs de chunk. Un peu dommage. Voilà. Bon, on va juste déplacer ça. Les grandes fleurs comme ça de Botania, je ne sais pas. Oh. Ah, des cotons. Ça, c'est important. Commence par ce que tu n'as pas fait sur la saison 1. Elle est bonne celle-là. Elle est très bonne. cependant, je n'en sais rien à ce que j'ai fait. Je sais qu'il y a du Tomcraft, mais bon, Tomcraft il a beaucoup changé par rapport à la version 1. Voilà. En plus, l'avantage c'est qu'on peut marcher sur celui-là. Du coup, notre Omni ici, bon, on va pouvoir aller miner un petit coup. On va peut-être explorer un petit coup plutôt ici en fait. On va explorer là, qui pourrait être pas mal. De toute façon, les lags là, ça vient principalement du mode. Ça, j'en suis presque sûr. Que ça vient à partir de... Il n'y aurait pas ce problème là. Parce que vu la machine qu'il y a derrière, ça tournerait. En même temps, vu le mode pack, là, c'est un peu obligé de faire quasiment de tout. C'est pas faux qu'on doit faire quasiment tout pour pouvoir réussir. Mais j'ai pas tout pris en termes de machine. De minerai. Agricraft, ouais, il faudrait quelques plantes. Mais après, c'est long à augmenter Agricraft. Il faudrait qu'on aille miner, hein, tout simplement. Il faudrait qu'on trouve quelques minerais supplémentaires, ce genre de choses. On peut également partir à l'exploration. Hein, on peut aller dans le Dense Or, franchement. Et c'est vrai, je suis un peu con. Je peux aller dans le Dense Or. Il y a les minerais. Il y a largement ce qu'il faut en minerais. Qui ne tente rien à rien après. Hein, de toute façon, si on meurt, on a une tombe. Enfin, on a un piqué plutôt. Mais... D'ailleurs, le piqué, si vous êtes près de la lave, vous crevez. Donc bon. Voilà, c'est. Le modpack, c'est le FTB Infinity Evolved. Putain, j'ai réussi à le dire. Ah oui, j'allais me dire, on peut pas le faire cuire, what? Si, si, on peut le faire cuire quand même. Les scripts sont un peu buggés. Hein. Si, Toto, c'est. Le fer, au-dessus du fer, au niveau des pioches, je sais pas si t'as vu. Comment? Je sais pas si t'as vu, mais au niveau des pioches, tu vois, à partir du fer, on peut pas. À partir de la pierre au-dessus, on peut pas faire le fer ni le diamant. C'est incraftable. Du coup, il faut que tu passes par d'autres pickaxes. Et les seuls pickaxes qui peuvent. T'aider à faire ce qu'il faut. Bon, bien sûr, c'est Draco et tout le tralala, hein, naturellement. Hein. Blood Magic aussi, naturellement. Mais c'est l'améthyste, la manate steel et le mantium. Mitrius. D'ailleurs, qui est plutôt facile à faire. Celle-là, on peut la faire. Bah, y a celle-là, Fortune 10, hein, naturellement. De Bioblo Blenty. Ah, d'accord, une hache en bout. Très bien. En bout. Hein. Donc voilà. Il y a ce genre de choses. Oui, il y aura des rediffs. T'inquiète pas. C'est tout à fait normal. Bon, en tout cas, c'est impressionnant d'avoir encore 348 personnes qui me suivent pour l'ouverture 2. Franchement, je pensais pas en avoir autant malgré la pub que j'ai faite derrière. Je pensais que ça allait rester comme d'hab dans les centaines, nickel. Mais c'est cool. C'est même très cool parce que du coup, ça me permettra de. De faire ce qu'il faut. De faire vraiment ce qu'il faut. Voilà. Bon, bah, du coup, on va aller un petit peu au spawn. Hop. L'avantage c'est qu'il y a ça. Je sais qu'il y a un monde dark et un monde plutôt cool et je crois que c'est ce monde là qui m'intéresse. Oui, alors on a fait ceci hein, avec la Ward Endless. Hein, et la Bedrock. Donc on peut pas la péter parce que c'est de la Bedrock. Mais c'est plutôt sympa.
Tout va être quasiment fait en live concernant comment cette saison. Tous les 2 jours, je vais faire un live. Ça va inciter les gens à être présents pour ceux qui veulent suivre. Et il y aura quelques épisodes qui sera sur YouTube pour. Ah bah salut toi. Bonjour. Bah oui hein. On est à l'ère du pauvre. Tranquillement. What? Il a quoi comme minerai? Bien là, toi? Ah, c'est du tin. Voilà. Moi, sinon, concernant Tomcraft, parce que j'ai prévu quelque chose au niveau Tomcraft, je veux pas polluer le monde, j'ai envie de me trouver un monde complètement void. Donc, je me suis fait exprès un monde void qui me permettra tout simplement de faire mes trucs magiques dessus. Salut, petite bite! Oh, de la glace! Ah bah oui, forcément, je peux pas la miner. Forcément, forcément. Du coup, bon, on va miner en fait. Et puis il faudrait que je récupère le petit point de spawn là. Oh, ben. Oh, mais c'est sympa! Merci! Bah oui, je suis con. Faisant du tinker, ils sont nettement mieux les haches. Ah ouais, pourquoi vous ne l'avez pas dit aussi, vous? Franchement. Franchement. Oh. Bien sûr, je plaisante, hein, si vous l'avez pas dit. C'est bien, il n'y a que du birch. J'aime bien le birch, finalement. Hop. On va aller en même temps que monsieur. Ouais. En fait, c'est buggy. Hop, hop. La musique est derrière, on dirait un petit peu la musique de comment ça s'appelait déjà? De Starbound, ça ressemble un petit peu aux musiques de Starbound. C'est, j'aime bien ce genre de musique, c'est très calme, c'est pesant, c'est. Bon, par contre, la pluie dans ce monde est un peu chiant. Alors en tout cas, j'espère que la saison va vous beaucoup vous plaire. Moi déjà, au niveau du modpack, je le trouve très bien, comme je veux. User joined your channel. Tranquillement. Bonjour. Oui. Oh, bonjour. Donc la saison, je pense qu'elle va être plutôt très accueillante. Faut faire le système de ville également, mais on y viendra petit à petit. Donc du coup, on va se faire notre petite pioche. On va faire la petite pioche, on va commencer par le bon, le pro. La sword, on va peut-être la garder tout de suite comme ça. On va se faire déjà une belle petite pioche. Comme il Alors, où en faut. es-tu, dis-moi? Je suis dans le monde des ors, je suis en train de me faire ma première pioche en pierre de Tinker. D'accord. Ah oui, bah oui, on n'a pas besoin du four pour le moment. Ok. Tout le fois, comment on le faisait déjà, je me rappelle plus. Oui, table de craft et machin. Ok. Petite pioche. Alors, tac, tac et tac. Voilà. Et en plus, la durabilité est de 65, mais surtout qu'on peut la repair dans sa main, comparé à cette pioche de merde. Et la hache, je vais la virer. Pourquoi? Parce que je vais me faire la fameuse mattock en pierre, qui est la hache et la pelle en même temps. Hop, hop. Tac, tac. Voilà. Hop, la matoque, donc ça, ça et ça.
Voilà, il me sert également de coup concernant la stone. Donc ça, je peux la virer. Hop là. Donc, on va trouver notre petit point plutôt tranquille. Donc, mon petit Julien, comme si tu me regardes, on va miner. Le lapis, je suis pas sûr que je puisse le miner encore. Ah si. Genre, on peut tout miner avec même ça. Ça a changé. Ce lapis, avant, on pouvait pas le miner. Bon. Un gros phallus en lapis, hein, c'est cool. Bah, c'est pas maintenant qu'on refera des abeilles, mais... Peut-être sur ce modpack, il y a quelque chose d'intéressant à faire les abeilles, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a Miss Fury qui va faire les petites abeilles. Moi perso, je sais pas si je vais le refaire. Lou, je pense qu'en fait les problèmes des chunks c'est avec Chicken Chunk justement. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont désactivé de base. Mais ça fait quoi du coup Chicken Chunk en fait? Bah c'est le mode qui te permet de charger les chunks en étant inactif. Ah d'accord. Donc c'est peut-être à cause justement de ce mode que les chunks soient chargés à fond et que nous on lag. Oui, peut-être, peut-être. Que faudrait dire de désactiver Ah bah ok Toto, bah c'est pratique du coup. Si le pack il fait que... Oh putain merde. Faut le réparer exprès sur une toolforge. On peut pas mettre ça hein. Oh si. T'es sérieux, on peut le mettre. Oh c'est magnifique. Bah du coup si c'est... C'est bien la version 2.4.0 Toto que tu parles. Si c'est celle-là, il y a Forestry 4 dessus. Bah c'est cool. Voilà. Du coup, j'ai fortune 1 dessus. Je fortune 1 sur une pioche en pierre. Le truc, vous le ferez jamais. Mais c'est cool. Ok, bon bah tant mieux que sur le pack il y a Forestry 4 du coup. Eh bah tant mieux. Mais on mettra de faire plus de choses du coup. Alors je vais juste chercher les lapis suivants qu'il y a sur le phallus de lapis. Comme ça. Et pouvoir faire la suite. Le phallus il est là. Ouais, c'est tellement une épée pourrie en fait, mais c'est comme ça qu'on a fortune facilement dès le début quoi. En plus c'est du dense quoi, c'est pas de la merde non plus hein. Là ça se voit que c'est plus du dense par contre. Hop. Hop. Dis-moi Toto, comme tu es encore là, est-ce que c'est bien à cause de la version de Chicken Chunk qu'ils ont désactivé sur le pack qui fait que comment, quand tu es un multijoueur, tu charges
à joueur seul, hein, 500 chunks à lui tout seul. Si c'est bien à cause de cette version qu'on a qui est désactivée. Si c'est le cas, bah faudrait nous, pour stabiliser le serveur, bah désactiver le mode là. Et puis trouver un meilleur moyen pour charger des chunks. Ça va avec 4 stacks de lapis en plus. Merci Toto. Moi je pense que oui, mais à vérifier. Ouais. User left your channel. Bon bah j'ai fortune 3. J'ai fortune 3 sur une pioche en pierre. Ah excellent. Franchement excellent. N'hésite pas à me mentionner Toto si t'as la réponse. Que je regarde. Je crois qu'il y a un bug avec le réseau, le chat. Il y a Juju qui est en mode branle que dalle. Tiens, une petite côtelette pour toi. Donc voilà. Mais en tout cas, fortune 3 sur une pioche en fer. C'est cool. Ah oui. Et qui sur le serveur? Bah il y a tout ce monde là. On est sur la conve. Que je te confirme le truc. Sur la conve, attends, je te recherche. On est 24 personnes sur la conve. Voilà. On n'est pas tous connectés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 3, 21, voilà, il nous manque 5 personnes, oui, effectivement, on a les chunk loaders de Rycraft, donc qui pourraient être intéressants aussi, c'est pas faux. Donc, ouais, si c'est à cause de ce mode-là, je demanderai qu'on les désactive. De toute façon, le modpack là n'est pas là pour farmer comme des porcs dans la saison 1 en fait. C'est pour ça que j'ai bien précisé que ce modpack était spécialement fait pour prendre la détente, être avec vous, faire des lives, ce genre de choses qui peut être très bien en termes de convivialité. J'ai du mal à sortir cela. Hein. D'ailleurs, au niveau de la cam, on me voit. Ouais, on me voit différemment, mais ça va. Alors, je pense que c'est Chicken Chung qui est pas censé être désactivé de base. Si oui, c'est bien une bonne raison, non? Après, ouais. Bah, c'est pour ça, c'est une fois en fait que j'ai bien compris que c'est à cause sans doute de ce mode qui permettait justement, il y a un problème de Chunk. Celle-là, quand je fais le. Comment? Chunk Loader, la commande Chunk Loader. Dans la région qu'on est avec Julien S3, dans le monde là, à deux joueurs, on est à 540 chunks chargés. Et dans l'overworld, c'est ça qui est formidable, ou pas, à 18 joueurs connectés dessus, on a 6200 chunks chargés en permanence.
Dont 51 qui est en chunk forcé, naturellement. Donc, voilà, c'est qu'il y a quand même un gros souci quelque part. Donc oui, c'est peut-être possible que ça vienne de ce mode-là. Si c'est le cas, bah, je trouverais bien un moyen de le désactiver. Cependant, je chercherai bien du charbon pour vous. Non, Davlek n'est pas là de cette saison-là. Il m'a pas donné signe de vie depuis 2 semaines. Je sais qu'il y a beaucoup son boulot qui fait que, il ne peut pas être là constamment. Ah, mini lag. Donc du coup, bah... Non. Mais sinon, j'aurais bien... Ah bah oui, il faut de la redstone pour ça. J'aurais bien voulu qu'il soit là, mon petit koala. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il y avait Aurélien Sama aussi que j'ai invité, mais bon, il trouvait ça aucun intérêt d'être... Oh, il y a de l'orage. Aucun intérêt d'être sur ce LTP. Donc bon, bah, c'est son choix aussi, hein, mais dommage. On aurait pu avoir un petit Belge en plus. Mais bon. Tant pis, hein. Hop, une petite torche pour vous. Bah, ça se roule tranquillement, mon petit dame, hein. Tranquillement. Alors, l'uranium, c'est ça. Faudrait que je me retrouve un... Ouais, mais en fait, je me fais une petite tool forge pour moi. En bois. Ah, et Pierre, je lui ai demandé s'il voulait en faire partie également. J'ai demandé quand même à des gens assez haut. Sachant qu'il y a déjà Galactic Science avec lui, il n'a pas voulu et il m'a dit qu'il n'avait pas forcément le temps d'être sur un pack. Dommage. En tout cas, la porte est toujours ouverte pour lui, hein. Y a aucun souci. Mais bon, après, ça a eu de voir, hein. C'est un peu dommage. J'aurais bien voulu qu'il soit là, lui. Ça aurait peut-être plus fait en sorte que LTP soit plus connu. Mais bon. Il y a Fanta également. Je lui ai demandé s'il voulait venir. Il m'a dit que ça serait pas de refus, mais pas dans l'immédiat. Donc, bon, bien sûr, qui dit Fanta dit Bob. Mais c'est pas maintenant qu'il viendra. Mais bon, en tout cas, il y a du beau monde. Ok, bon, on enlèvera du coup Chicken Chunk. Ok. Pas broadcast, ok. Bon, bah si c'est bien Chicken Chunk qui fait merder le serveur, on l'enlèvera. Ouais. Donc on enlèvera Chicken Chunk pour le truc.
Au pire, ce que je peux faire, c'est j'ai juste enlevé Chicken Chunk de mon côté. Hein. Ouais, Bob égale feu égale lag. Oui, je sais que je lui enlèverai le briquet. Déjà, pour faire le briquet, il faut déjà pas mal le faire. Donc, donc, je vais voir. Je vais voir pour enlever Chicken Chunk. Pour éviter les problèmes. Voilà, au prochain reboot, de toute façon, il y sera plus. Attendez, je reviens un petit coup. Channel switch. Du coup, est-ce qu'on peut reboot le serve pour enlever le mod? Ok, est-ce qu'on peut l'avoir quand même dans notre launcher ou on oui, doit... oui, ça y a pas de souci. Tu peux juste me laisser le temps de poser un panneau, s'il te plaît. C'est vrai que ça lag quand même un peu. Là, mais... Bah ouais, j'ai eu confirmation d'après Toto que en fait c'est bien ce mode qui doit rester désactivé parce que ça peut corrompre le monde en plus. Et ça fait charger, un seul joueur peut charger 500 chunks à lui tout seul. Ah ouais, ah oui, non. Au lieu de 60 de base. Ah oui, on va éviter. Là, on est à 6200 chunks chargés dans l'overworld. Oh, c'est moche. Donc, okay. Tous les lags intenses qu'il y a. Ouais, je vois, ouais. Donc, c'est pour ça que je vais prendre quand même les devants pour. Ok. Déjà pour éviter les corruptions, hein. Oui, surtout ça, ça me ferait chier. D'accord, reboot. Et après, Tan, je te demanderai comment faire pour délimiter ma zone. Parce que je sais pas comment ça fonctionne. Y'a pas besoin de délimiter ta zone en fait. Enfin, je sais pas, la Mortec, il a son truc à son nom là. Oui, c'est parce qu'il a fait son. Enfin, il a fait entre guillemets un home ici. Parce que je suis classe, c'est tout, cherche pas. C'est la classe. D'accord. Ok, d'accord. Bon, bah, si tout se fait automatiquement. Parfait. Et du coup, faut se déconnectationner, c'est ça. De toute façon, on va se faire jarter donc. Bah, dans quelques. Certes. Ah, c'est à cause d'un mod hein, que le serveur est en mode PLS. Tu peux reboot, hein? Ouais, j'attends juste que la console me dise oui. Genre, tu es soumis à la console. Ah, là, littéralement, oui, je suis bien soumis à la console, ouais. Alors, genre... comme ça, t'es insoumis. Ah, oui, c'est Ikea et Sony. Moi, je reviens dans le chat. Channel switch. Alors oui, il y a pas Xenilo, il y a peut-être Mariculture, mais je suis pas sûr. Il y a 51 secondes de latence, quoi. C'est. Non, mais tu vas le faire le slash top ou je te le fais dans mon fion. Allez, hop, une erreur par-dessus, connexion réinitialisée. Shorty, au revoir. Oui, parce qu'on va peut-être prendre les devants vraiment pour le. Ah bah voilà, c'est pas trop tôt, bravo! Putain! Vaut mieux prendre les devants, Toto, concernant le chunk. Voilà, c'est en train de redémarrer. Puis en même temps, ça va faire du bien côté machine, je pense. Ce, il y a quand même 35 Go de RAM rien que pour lui. Ça fait du bien. Channel switch. Ne relancez pas vos launchers, merci. Oui, d'accord, oui. Oui, d'accord, oui. Pourquoi hein? Non, on désactive Chicken Chunk. C'est lui qui peut faire laguer extrêmement les serveurs. D'accord. Ah oui, d'accord, ouais. C'est il faudra l'enlever après ou... Vous pouvez le laisser côté client. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Voilà. Bon, en fait, un seul joueur normalement charge 64 chunks et là, avec le mod, il charge 500 chunks à lui tout seul. Ah, ouais. Ah oui, bah ça va. Ouais. Ah oui, oui. Ça tombe bien, on est pas nombreux.
Ouais, oui. Du coup, ouais. Donc, tu vois, dans l'Overworld, là, il y en a pour 6200 chunks chargés constamment. Bah alors, ah, les 128 gigas, ouais. Ils sont où là? Et encore, ça va, les lags, ils étaient pas ouf pour 6000 et quelques chunks chargés. Hein. Ouais, et encore, on est sur deux mondes différents en plus. Par contre, la machine, elle devait douiller niveau chargement. Même pas. Non? Non. Okay. C'est juste Java qui venait à son rythme. Bah bref. Oui. Donc, tranquillou. Ok, TP, pas de soucis. Voilà. Channel switch. Ça va ici? Le serveur il est cassé. Non, il est pas cassé, il reboot. Nuance. Dis, mais combien de temps? Et moi, là il reste encore 2 minutes. J'ai une question à te poser. Oui. Comment on fait pour faire une pioche en fer? Faut que tu passes par Tinker. Oui, mais j'ai compris pour la pierre et pour le bois, mais pas pour le fer. Comment on fait pour fondre le fer? Il faut faire un four exprès de Tinker qui se base sur du 5x5 par... Je t'en montrerai Fury, je vais bientôt le faire. Oui. D'accord, parce que moi c'est ça qui me manque et je suis perdu. Et d'ailleurs, EP, on m'a dit, apparemment, vu que c'était censé être en hard, les blank patterns, c'est pas censé se faire par 1. Ça, ils se font par 4, on me l'a dit dans le chat. Et sinon, quand tu craftes un four en cobble, ça, oui, te ça met une miniature de slab. De slab. Ouais, je sais, il y a des bugs dans les scripts et il faudrait que je regarde ça. Ok, ça marche. Bon, même les sticks, normalement ça t'en fait 2, là ça t'en fait 4. Bon. Après, tu peux faire des pioches en Sirtus, hein, si tu veux. Ça fait le mining level iron. Ok. Donc voilà. Channel switch. Ouais, c'est clair. On va dire comment tu vas spawn. Ça va ici? Ça va? Oh bah écoute, tranquillement. Donc ça en train de charger. La pioche au début là, t'as que... tu peux miner que 5 trucs avec, c'est chaud. Ouais. En fait, y a pas que 5 trucs dessus, c'est l'affichage qui est bugué parce que tu peux miner 32 cobbles. 32 cobbles? C'est très bugué. Ah, c'est 32 cobbles, mais genre le charbon, je pouvais en prendre que 5. Mmh. Ah, d'accord. Mais avec la pioche en pierre, en bois, je sais pas. Le serveur, il a redémarré ou pas? Oui, je suis en cours de redémarrage. Ok. Oh, purée. Bonne année. Bonne santé. Je vous aime, putain. Putain, il y a tout le monde qui arrive. YOLO. YOLO. On vient se tenir au jus, tout ça, tout ça. T'es la course au village. On peut la pas mettre sur les diopes dans Tinker. Non, il sert à rien. Si, je crois que tu peux le faire fondre. Non, putain, Tinker. L'autre il va faire une pioche en demi. Ouais. Ah, mais mec, je suis sûr que j'ai assez, mec, en plus. Ah oui, l'argent. Putain, j'ai pratiquement un stack d'iridium. C'est chaud, hein. Il y en a partout, l'iridium. Ouais. Ouais, bah il y en a plein dans les coffres. Toi, je t'ai vu, je suis passé dans ta base, Reddix, enfin à côté de tes petits coffres. Oui, t'as vu. J'étais allé laisser un petit panneau, mais. En fait, j'ai vu là la petite grotte, en fait, j'aurais même fait un petit truc là-dedans, tu vois. Je trouve ça propre. Mais c'est pas très loin du spawn, donc ça va. Alors moi je veux pas dire, mais le premier coffre que j'ai ouvert, il y avait quand même un portal gun dedans, au calme. Putain, ça va, tranquille le mec. Le portal gun avec le steak, comme ça, tout de suite direct, gratuit, offert. Je fais bon bah écoute, merci. Bon moi, après il des abeilles, spawn quoi. Des araignées, mais bon. Le serveur est up dans 20 secondes. Après, okay. Une météorite, des araignées, c'est un cancer. Non mais le must quand même, c'est le village géant qu'on a trouvé avec Vava, où on a beaucoup de trucs qui traînent. Ah, non, ah, nous on a eu un village, mais le village était dans la merde, c'est. Ouais, c'est dans la merde. Bah, justement, genre, payons en fait, on a le village qui est à moitié dans le désert, à moitié dans la mer, et le problème c'est que la moitié dans le désert elle est recouverte de pétrole. Donc la moitié du village qui est dans le désert est recouverte de pétrole. C'est assez cool. Non, nous, ça va, nous on a trouvé pas mal de trucs en obsidienne et en iron pour Tinker. Ouais, nickel. Okay. Oh, on a de quoi faire des pioches, des pelles et tout avec donc. Moi j'ai fait une pioche de merde au début. J'ai mon épée qui est un peu stylée, mais sinon c'est un peu de la merde le truc Tinker que j'ai trouvé. Attends, je reviens. Il y a un petit problème avec le serveur, il est en train de re-reboot. Il y a un petit problème. Oui, t'inquiète pas, l'Intel Xeon Code Core, tu vas tourner dessus. Oui, vole lui le portal gun, t'inquiète pas, c'est ce qu'on va faire. Il y a juste le serveur qui re-reboot un petit coup, j'ai pas compris pourquoi. Absolument pas du tout compris pourquoi il voulait re-rebooter. Il n'y a pas de crash, hein. C'est juste un reboot. Donc ça devrait pas tarder. On va éviter de perdre trop de gens. Trop de gens parce que à cause d'un reboot qu'on voulait faire.
Mais c'est bizarre qu'il y ait un petit bug comme ça. C'est d'Underio, il y a un petit. Il y a un petit bug. Il y a juste un petit bug. C'est juste l'interdimensionnel d'Underio qui a dit fuck et il est reboot. Donc, est-ce que ça va re-reboot et ça va recréer ce problème? Si ça se recrée, il faudrait que je regarde en interne. Plus tard, hein, naturellement. Pour éviter les problèmes. Ah, il est sur la partie Wilda, Greycraft. J'adore parce qu'il charge en fait les mods, les configs, mais pas du tout dans le bon ordre à chaque fois. Là, il a loadé tous les mondes. Preparating level. Oh bah, c'est en train de, tout le monde se va dessus, donc c'est bon. Donc c'est magnifique. Bon bah voilà. Oui, il y aura une rediff, ne vous inquiétez pas. Alors attendez, on va pouvoir voir la... Ah bah de toute façon, il n'y a plus de chunk warp. Hein. Donc ça c'est cool. Hop. Donc, je vais quand même garder la fenêtre moi de mon côté. Je sais pas s'il y a eu d'autres tips les gens. Non, il n'y a pas eu d'autres tips, ok. Ika, tu es moche, lol. Oui, le modpack est pas privé parce qu'il est déjà public. Hein. On a pris un modpack tranquillou. Tranquillou. Donc du coup, bah, on va pouvoir continuer à miner. Bon, évidemment, là, il y a tout le monde qui se load. Ce qui est tout à fait normal. User joined your channel. Ça va? Oui, bah alors, qu'est pas ça? Bah, j'ai enlevé Chicken Chunk du coup, mais là, comme tout le monde est en train de recharger les chunks. Ouais, ça lag un peu. Ouais, c'est tout à fait normal. Et puis, vu qu'ils se sont connectés au moment que le serveur en fait charge des 5 Go de map, ça va laguer pendant 10 minutes et après ça ira tout de suite mieux. Ce qui est tout à fait normal. La preuve, ça lag plutôt pas mal. Et après, ça ira beaucoup mieux. Récemment sur Twitter, non, j'ai pas bloqué de personne. Bon, en tout cas, pas récemment. Quoi. Je vais quitter la console au cas où, parce que c'est peut-être moi qui fais lag. Hop. Il y a tellement de charbon en fait. De toute façon, on ne sera pas non plus tous les jours et joueurs en même temps qui se connecteront en même temps. Voilà, il n'y aura pas tous les jours 17 personnes. Voilà. Même si, ce serait pas mal. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas rêver. Ouais, ça serait bien que tous les jours, j'ai 300 personnes sur mon live. C'est complètement ça. Bah, il y a RF Tools hein, sur le pack aussi, hein. Ah, il y a RF Tools en même temps, mais je ne connais absolument pas ce modpack, donc du coup, je pourrais pas dire. D'accord.
Bon, en tout cas, il y avait Misscraft à la base sur le... sur le pack, donc du coup, je l'ai fait. Et puis comme on implémente des maps facilement avec Misscraft, c'est plutôt cool par rapport à RevTools. Bah Franck, donne-moi ton pseudo correct sur Twitter, je verrai. J'aime bien avoir fortune 3 sur une pioche en pierre. C'est quand même bas. En même temps, c'est un petit peu les inconvénients quand on cherche des grandes maps. Hop. Je suis en train de regarder sur le disque qui craint un peu, mais... Ouais, après les mobs, ça ramouille devant lui, c'est normal. Bah, Azel, le monde... comment ? Les mondes Misscraft, quand il n'y a plus personne dedans, ça se décharge complètement. Il n'y a aucun souci pour ça, c'est... Ouais, oui, effectivement. Les computers ont complètement bugué. Ouais, bah oui, il n'y a plus les zones de spawn chargées. Ah ouais, non, mais là, ils sont même plus ouverts, quoi, en fait, ça, je veux dire. Ah. Donc, voilà. Oui, la machine est hébergée chez OVH. Après, si Java, hein. Ouais, voilà, tu vois, ça commence à un petit peu redonner vie tranquillement derrière. TPS remonte, ça commence à charger la map correctement donc. Ah, bah tu voyez la période, on peut pas la miner parce que c'est Redstone qui vaut. C'est Mining Redstone pour l'avoir. Bon, sauf à partir d'un moment, ça lag peut-être. Tu fais des grosses commandes de World Edit ou pas? Je fais pas de commandes World Edit. Ah d'accord. Non, je fais pas de commandes World Edit. Du coup, il y a 5 personnes qui se sont installées. Ah bah c'est cool ça. Ouais, enfin 5 personnes, 2 qui sont en train d'aller. Oh là, ils prennent des terres un petit peu où ils veulent, tranquille. Hein. On a bien raison. Ouais, oui. C'est chaud de toute façon. What the fuck? J'ai time out. Y'a que moi ou tout le monde? Y'a... la plupart. Une belle coule quelque part, ouais. Oh bah ça va être normal, je pense.
Oui, effectivement, j'ai mis un putain dans le bac. The Redix qui génère. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils génèrent ? C'est plutôt méchant les lags, hein. Bon, attendez, je vais sortir du monde minage, je vais voir ce que ça donne. On va sortir des mondes minage pour être sûr. Oui, de haut. Hop. Voilà, hop. Moi je l'aiguille un petit peu sur internet, on se fait pas des doses par hasard. Non pourtant. Ça me paraît bizarre. Hop. Je sais pas qui c'est qu'il y a encore dans le monde. Dans le monde minage. 500 au lieu de 900. Alors. Peut-être possible. De toute façon, pour des doses, une fibre. Ouais, pour des doses, une grosse fibre comme ça, il faut y aller quoi. Bah, de rien, monsieur Franck. De rien, de rien. Ouais, Toto, t'as bien raison. Bon, Julien il y est plus. Je sais pas qui c'est qu'il y aura encore dans le dans les mondes Mistcraft. J'ai pas Opis des fois. Non, j'ai pas Opis. Fuck. Tiens, vous avez... Tu t'inquiète pas, c'est possible de dédos sauvage, t'inquiète pas pour ça. Hein. Ok, si, c'est possible. Tu lui fais peur? Apparemment, oui. Ah oui, ça a été déraciné là. Ah, c'est cool. Avec la carte Kiwi, désolé, j'étais obligé. Hein ? Ouais, ok, va te coucher toi. Unloading dimension 13. Ok, le monde vient d'être déchargé. C'est chez qui ici, tiens ? Monsieur Ika. Hein ? Voilà. J'étais content. Hop. La dimension 13 a été déchargée du coup. Ouais, toujours 4,6 TPS, hein, lol.
Bon, le TPS remonte un peu. Il n'y a pas une possibilité, les gens, de savoir s'il y a des mondes qui sont, s'il y a des chunks qui sont chargés. Parce que vu qu'il n'y a plus de chicken chunks, je peux pas voir lesquels chunks sont chargés. C'est un peu dommage. Bon, il faudrait que je m'installe quelque part, moi, en parlant de ça. Bah, j'ai deux jambes chez moi là-bas, mais je voudrais bien me faire une petite maison. Près de spawn. Opis, il est pas installé sur le serve. Que mes messes où sont hauts, lesquels chaque? J'ai pas compris. Non, le double F9 comme ça, c'est juste pour savoir quel chunk on est, mais... bah, bonne soirée aussi à toi, Franck. Amuse-toi. Oula. Hasselté. Oui, après tu fais slash TPS, oui. C'est violent le TPS, hein? Ouais, je vois ici STP, STP partout. Bah, au chaque, on est déjà à 50 gigas, je crois, au niveau de la RAM, donc. On va, tu vas pas me dire qu'on est déjà 50 gigas de sur la main, sur le en RAM en rien que pour lui. Si c'est le cas, la vache. Bah ouais, les CPU ils tiennent, hein. Y a juste un CPU qui est en mode à fond les bananes à 100% constamment. Et... D'ailleurs, même, ouais, il y en a un, et après t'as l'autre qui prennent le relais, mais... Si... Même le chat il lag, donc à mon avis c'est peut-être un DDoS. Pourtant normalement derrière on a mis les protections. J'ai pas vu ton tips au fait, Type Jeff, merci pour ton tips également de ce soir, 25€, merci. Bienvenue dans la team des Chocabic. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah bon. Alors, ce n'est pas du DDoS. Ok. Bah, ça vient de quoi? Parce que c'est casse-couille. Sur LTP1, on est à combien de joueurs? Quand? Sur LTP1. Je me suis dit. Je ne me rappelle plus.
Toujours 290 et quelques, hein. Ouais, tranquillement. Oh, salade, oh là 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 là. Ouais, ça me fait tellement chier. Après, c'est possible que ça vienne d'OVH comme des chacs. Hein. Ouais, tu penses que nous, on arrive à faire lag OVH entier? Non, vu qu'ils ont des problèmes actuellement. Ouais, mais ils ont toujours des problèmes. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui a des problèmes. C'est fou. La salle des récompenses qui ne défile plus. Ouais, oh, bah tu m'étonnes. Tout en un seul bloc, c'est dingue. Bah tiens, je vais faire un petit tour chez OVH le temps que ça... Voir s'ils ont pas des petits problèmes. On voyage travaux. Réseau eBay. Ils ont quelques petits problèmes de réseau actuellement. Ouais, si sérieusement c'est chiant. Ouais, t'inquiète pas, Shaq, je sais que ça va changer. J'ai faim, moi. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant, ça me fait chier, ça démarrait bien et puis après... c'est un peu chiant. Bah ouais, c'est sûr. Je crois qu'on est sur Roubaix concernant le serveur. Et ils se font des doses, oui c'est possible. Ok, Shaq. Ah, l'eau. Ah oui, depuis qu'il pue Chicken Chung, c'est pire, dit Rio. Bah, peut-être pas tort. Bah non, parce que d'après le site, c'est bien ça qui a un problème. Mmh. Et j'ai pas envie de corrompre la map si on le laisse. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je peux même plus monter à l'élévator. La Gavroche ? Ah, Gavroche, ouais. Je connais Gavroche. Il y a beaucoup des lags. C'est vrai que c'est très chiant, ça me fait vraiment, vraiment chier. Bah les gens restent quand même, hein, même si c'est beaucoup de lag.
Ouais. Oh la vache, tous les joueurs connectés. Monsieur Ouin Ouin, actuellement, joue depuis 1h53. Monsieur Rio va s'en train de charger. Putain, c'est cool, on peut voir vraiment tout. Mister Dawid. Qui est en mode toujours nu, je pense. Ah non, il a un bouc. Alors, monsieur Iten, c'est en train de charger. Vas-y Aurélien, tu peux. Depuis 1 jour, 15h, 44 minutes, 10 secondes. Ah ouais. Ouais, je t'ai pas enlevé du truc. Et moi, bah, 1 jour, 21h, 12 minutes. Monsieur Julien S3 qui est en mode offline, naturellement. En plus, c'est bien, c'est lundi qu'ils sont connectés ou pas. 45 minutes. Ouais, Rafa, je sais que je suis au VH, il y a beaucoup de rouge actuellement. C'est très chiant d'ailleurs. C'est très très chiant qu'ils ont des gros problèmes actuellement, c'est... Ah d'accord, je suis dans l'eau, très bien. Ah oui, on game tout le monde à left, mais il y en a toujours autant de joueurs. Ouais. Putain, franchement, ça me fait chier. Bah ouais, mais c'est normal, ça devait bien se passer et tout. Et au bout d'un moment, là, tout le monde est parti dans une direction, du coup ça lag. Ça a beaucoup lagué. Ok, check. Et bisous, bonne nuit Dungrim et courage pour demain. Bonne nuit monsieur. Et bronze bien la réunion. voilà. Monsieur agent double. Agent Dungrim double D. Ouais, parce que voilà, l'image actuellement des processeurs et de la RAM sur... sur la machine, hein, je vous garantis que ça lag pas du tout. Aiden Green, si tu es encore là, on viendra peut-être les jours qui arrivent, si jamais tu es libre, on amènera la bonne barbac. T'as même le chat, il fait la gueule. Ah. Bah Yosh, le screen que j'ai envoyé, c'est tous les cœurs qu'il y a sur la machine et la RAM. Donc en clair, ouais, chaque. J'arrive 2 petites minutes. Bon, je vous lance un petit côté pub du coup, les gens. Voir un petit peu côté OVH. Donc je reviens.
Ouais. Oh, ça me fait chier. Bon, j'ai dit dans la convaincre ça rebootait, mais ils peuvent essayer de se co. Mais bon, c'est vraiment la connexion là, pile poil au VH. Hein. C'est bien eux, ça vient pas de la machine, rien du tout. Ça me fait chier les gens. Ça me fait chier. En RFA, j'ai vu, il y en a deux. Bon, ça me fait chier du coup. Pour un lancement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, bon, de toute façon. Le VH, ça a bien marché, hein, le lancement. Ah bah ouais, ça a pas lagué. Chargement de chunk, ça vient principalement que du réseau du coup de VH. Et... Jouer au démineur pendant 3 heures. Déjà, il faudrait que j'aie le démineur sur le PC. Je l'ai pu. Mais bon. OVH. Sont bons en côté machine, mais côté réseau, c'est un peu de la médouille. Mais bon, pourquoi du coup j'essaie de remonter là-haut et je vais voir ce que ça donne. Il a même pas pris en compte comme quoi je mettais une cobble. Ah oui, il y a même le statut là. On va peut-être se casser la gueule ce truc d'ailleurs. Donc voilà, bon bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Ouais, je sais que ça peut... C'est bien chiant, c'est bien chiant. Ouais, je confirme que... Ah, coucou Letty. D'ailleurs, Letty, t'es pas modo ici. C'est pas bien. Y'a Letty ? Ah, y'a Letty ! Bisous, Letty ! Un gros bisou, gros câlin. Voilà, et tout ce qu'il faut avec. Oui. Ouais, et la musique dramatique qui va avec Adèle, c'est... Pourtant, normalement, c'est une musique calme et douce, mais là, non. Là, ça n'a pas très envie. Regardez, je vais couper la canne à sucre et on va attendre. Ah, elle vient de se looter. Mais n'est pas apparue dans l'inventaire. Si, il
Bah surtout vu les gens où les gens sont, je me suis tapé sur Elix, il est en moins 2400, moins 900. Ouais, non, et puis comme si. Bah, je viens à peine d'avoir la canne à sucre que j'ai pété il y a 2 minutes. Donc voilà. Non, mais c'est chiant qu'OVH fasse ça, quoi. Il pouvait pas le faire ça cette nuit à 4h du mat. Bon, il fallait que ça vienne pas. Ah bah, ils me préviennent, hein. Moi, je vais leur faire tomber leur réseau. Hein. Mais sachant que la machine n'est pas à moi, je ne peux pas gueuler sur VH. Donc, du coup. Voilà, j'ai tweeté à monsieur OVH. Mignon. Bah, si je ping le serveur, j'ai 31 MS avec lui. Mais par moment, bah. Ah, ça commence à se relooter facilement. Le chat aussi. Ou pas. Ou pas du tout. Non, 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 ça veut être de ouf. Il y a un bug beaucoup. Ah bah, voilà. Ah. La connexion ne suit pas forcément. Ah. Il vous kick. Bon, ben on peut dire que c'était une bonne session de bêta test en fait, hein. C'était pas la vraie ouverture. Voilà, l'ouverture, j'ai demain. Tout à fait. Je reveux 500 viewers demain. Ah là là, OVH. Et en plus, il n'y a même pas le mob sur le serve, même la nuit, quoi. C'est... Le serveur dit nope. Ouais, j'ai la fibre, Aurélien. Bah là, tu vois, j'upload du 500 mégas... non, j'upload du 200 mégabytes. Orange. Orange, oui. Les meilleurs. C'est les meilleurs oranges. Ça, c'est de la couleur orange, voilà. Youpi. Bon, bah... Bon, ça m'a réussi à me loguer. C'est déjà bien. Il n'y a pas les chunks qui chargent, mais c'est déjà bien. Chaque la machine entière ou juste le serveur? Non, j'ai pas Factorio défait. Factorio, c'est bien. Les petits cubes là. Catonium fait. Un loup. Pardon ? Factorio, c'est bien le jeu que... Non, j'en sais rien. Non ? Aucune idée. De toute façon, ça m'intéresse pas, donc. Ah, d'accord. Bah, chaque, ouais... attends, je l'arrête proprement, le truc, pour éviter les problèmes. Apparemment, ils disent que ça a l'air de plus lag. Ah, effectivement, ça a l'air de plus lag, oui. Bah, attends, chaque...
Attends avant de reboot. Bon, si ça va comme ça jusqu'à la fin du live, moi ça m'arrange. En même temps, on n'est plus beaucoup, mais... Ça m'arrange. Heureusement que c'était pas le gros trou. Bon, en tout cas, ça a l'air de plus lag, donc c'est plutôt pas mal. Oui, je suis shocking. Oui. Shocking. Utilise le Certus dans une toolstation pour avoir une pioche qui est égale à la pioche en fer. Oh ! Elle est dans un monde minage ? Non. Oh, des trucs à XP. Alors, pour moi, tu vois Toto dans un part de l'heure dans une pioche en Certus. Ok, oui, ok. Ah, même j'ai pu les. Tu cherches pas une charged? Non, je cherchais en fait faire une tête en charged. Ah oui, mining level redstone. Oh oui, putain, c'est cool. Où ça? Où ça? Pour faire une pioche en Certus. Mm-hmm. Mining level, du coup. Height. Oh, c'est cool. Tu vois un peu la pioche? Ah oui. Attends, repasse ça dans le tool station. Ouais, je te l'ai donné. Oh! Bah merci Toto. Elle est sympatoche. Très sympa. Ouais. Ah ouais, elle est sympa. Du coup, j'avais jamais fait de pioche en Certus. Bah moi non plus. Donc en tout cas, merci Toto. Ah oh, c'est cool. Bah du coup, tant que j'y suis, autant que je fasse une batoque en Certus aussi. Tant qu'à faire. J'ai une Certus, y en a plus loin ici. Hein. Ouais, j'en ai 18 sur moi encore. Mais en tout cas, c'est super cool qu'il y a ça, du coup. Et du coup, il n'y a pas de mob. Ça choque personne. Ouais. Bon, bah... Voilà, bon bah du coup, comment on va continuer, hein? On va continuer tranquillement. Tranquillou, à base de tranquillade. Hop. Ah oui, je sais. Bon bah du coup on va pouvoir faire ce qu'il faut. Hop. Ouais, il y a du Certus là-haut, il y a l'XP que je voudrais bien. Les trucs d'XP, ça peut être cool. Il y a de l'eau là-haut, la période qui est là, mais la période en fait on s'en fout un peu.
Effectivement, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, en plus, il y a plein de Certus encore là. Hop. Alors, Lumber, on va pas le prendre maintenant, les gens. J'en ai pas forcément l'utilité. Alors, je sais pas si tu sais, mais après, dès que tu en auras, rajoute du diamant sur ta pioche, elle pourra miner de l'obsi. Ok. Oh, bah, c'est magnifique. Ça, c'est du sel. Ça va, mon petit loup ? Ça va. Tranquillou. Ah oui, on est à la couche 36 actuellement, d'accord. Et j'aurais pas pu faire une pioche en version chargette des fois. Ah, ça relag un peu. Ah, ça va. Ah oui, t'es à la zone d'habitation en plus. Ah bon? Ah ouais, t'es sur la zone d'habitation. D'accord, bah je vous pipe vos minerais, rien à foutre. Hop, bon allez hop, copper, on va tout prendre. En plus ça va, elle dure plutôt bien la pioche. Ouais, des fois il y a des petits lags, mais ça va, c'est plutôt mineur. On va dire il y a pire. Ouais, je sais que comparé à... D'ailleurs sur le pack je crois qu'il n'y a pas une Gwenna. Ouais, parce que sinon il y aurait le level. C'est pour ça. Mais en fait, je trouvais bizarre qu'il n'y avait pas une Gwenna sur le pack. User joined your channel. Oui, bonjour. Est-ce que, bon, déjà, bonjour le live et tout. Et déjà, épais. Est-ce que le serveur est un peu en mode moins PLS que tantôt ou... Oui, il va très bien. D'accord. Bon, merci. User left your channel. D'accord. Et putain, il y a beaucoup de Certus dans les grottes. Hein. Alors, on va pouvoir se faire une belle armure, les gens. En fer, hein, naturellement, parce que le Certus est meilleur. Dense Coal. J'aime bien le Dense en minerai. Ah oui, c'est vrai, en fait une Gwenna c'est bien d'un côté, mais en fait c'est chiant de l'autre. C'est bien parce que tu peux, à force de miner, tu peux justement upgrade ta pioche. Notamment une Matoc avec Manilium dessus, tu peux avoir du Sharpness 7. Totalement pété le machin. Donc plus 27 de dégâts quoi. Bon, même s'il y a mieux maintenant. Mais c'est cool quand même. Il y a Toto qui te dit une question, Lou. Si cette fois-ci tu restes en créa ou tu joues en solo? Ou tu joues en survie? Eh bien, bonne question. Voilà. Je verrai. Pour le moment, c'est créa. J'ai pas fini toutes les constructions. Oui. Il y a encore beaucoup de surprises que vous allez voir au fil des lives. Ouais, des belles donc, choses. Donc je suis pas prêt de jouer en survie. Bah c'est bien de mettre fortune 3 sur la pioche les cocos, mais
Comment? J'ai pas envie de remettre 450 l'épice sur la pioche, quoi. Même si je devrais juste y aller dans le Densor et j'ai ça en moins de 2, mais... D'ailleurs, il y a un Densor, l'épice? Bah, il y a deux Densor et il y a des phallus en lapis. Ah ouais? Ok. Je m'en rappelle plus que... Et sur le phallus, tu as facilement 450 lapis. Mmh. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? On a épée forte dans la zone résidentielle, hein. Tranquillo. Hein? Dans une autre zone résidentielle? Oui, là où t'es, quoi. C'est la zone résidentielle. Ah d'accord. Ah oh ouais, très bien, pour faire un tome metteur de Tomcraft, il faut de la mana de l'as. Oui, bah oui. C'est pour ça que le tome metteur est quelque part dans les donjons. Ah. Hé. Rappelle pas. Ah oui, oui. Ah bah du coup, t'as dit un petit peu la surprise. J'ai pas dit plus que ça. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, bah oui, sur la map, il y a des donjons, bah, comme tout. comme toutes les maps, hein. Il y a des gens qui se sont installés dans un donjon de squelette, tranquille, pépère. Oh bah, ça va, les mecs, tranquille. Botania, Witchery, Tomcraft, Blue Magic, Kasha, Craft, Craft, qui est un mode précédent. Ouais, sauf que Toto, j'ai pas mis tous les crafts. Pas tous les crafts. Pas tous les scripts qui modifient. J'ai voulu quand même garder une partie de facilité pour certains joueurs. Surtout quand il y en a certains qui débutent. Putain, mais il y a du Certus partout, quoi. Le Certus, c'est le seul truc que tu vas trouver plus facilement que la Redstone ou le diamant ou l'or. C'est impressionnant. Ah bah je suis déjà là en bas, moi. Ah bah oui, je suis déjà là en bas. Ok. Bon bah en fait, il y a rien dans cette mini grotte. Hop. Hop. Et y a pas un mecha dans le pack là. Du coup, y a pas la paxel. Là, je pourrais limite me faire des armures en Certus tellement qu'il y en a. C'est fou. Hein. Ah, le Certus, j'en ai quasiment 3 stacks sur moi. Cependant, on va pas démarrer Tinker maintenant, parce que vu le craft pour l'énergie acceptor, bah... Nope. Le craft de l'énergie acceptor, c'est une tuerie. C'est... Je pense plus que vous allez vous prendre avant, mais... Voilà, juste pour vous montrer un petit peu le craft de l'énergie acceptor d'Applied. Voilà. C'est un petit peu la chose très compliquée. Logistic pipe, ouais, je pourrais faire un truc, mais très compact. Parce que au bout d'un certain moment, il y a trop d'items dans un flux et ça crée des problèmes. Bon, en tout cas, l'énergie acceptor, voilà, hein, ça... On va dire, c'est plutôt très 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 coûteux. Voilà.
Un petit coucou du chat au passage. Ok, Damien, je fais lui un petit bijou, tiens. Ouais, ça va beaucoup mieux sans les lags. C'est nettement plus fluide, c'est... du coup, autre qui est mon petit chez-moi là-bas. D'ailleurs, pourquoi j'ai un point 1 là-bas. Je m'en rappelle plus. Du coup, il y a du monde qui s'installe correctement dans le spawn. Dans la zone. Ouais. Pour le moment, il y a 5 personnes. Il y a Mortak, Vava qui ont un terrain chacun, Walker qui a un terrain lui et Ika qui a un terrain avec Oignon. D'accord. Oh bah c'est cool. Oui. Il m'en manque plus que 21 personnes. Hop. Notre petit chez nous qui est ici. Et bien sûr, il faudra que je refasse un autre. Un autre chest. Alors, il faudrait par contre que je fasse chest minerie et chest normal. Tiens. Non, pas celle-là. Chest minerie au-dessus. Ah, ça c'est minerai. Et le reste, je peux le foutre là. Voilà. Voilà, on peut mettre un petit stack de coal tranquillement. Voilà, bon, ceci étant fait, tout le forge. On va la réparer la cocotte. Ah ouais, c'est pas mal. Quand tu mets du Certus, ça répare la pioche, mais en même temps, ça lui fout Sharpness. D'accord, c'est utile. C'est bien. C'est Sharpness sur une pioche. Ça ne laque plus, hein. C'est magnifique. Ah non, ça fait du bien quand ça laque plus, hein. C'est un vrai bonheur. Ah, la fameuse abeille de flux. BIP, hein, ça manque quand même, BIP. Mais bon. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait comme mode, les gens? J'ai hormis d'éliminer se faire chier au bout d'un certain moment. Oui, bien sûr. Coucou Dez. Toto, ouais, c'est GreekTech 3 qui avait l'AESU et l'IDSU. Mais il y a un nouveau mode qui remplace GreekTech. C'est Tech Mode ou Tech Node Mode. Tu l'as sur un pack qui a sur Curse. Tu retrouves en fait tout ce qu'il y avait sur GreekTech 3.
te garantis que c'est super sympa. Bonjour. Bonjour. Il y a un mec qui est en train d'ouvrir mon truc, j'ai dit what? Alors, on peut faire l'ultimate store, hein. Il faut toute la bouffe du jeu. Pour faire l'infini de catalyst, pour faire les lingots et pour faire la pioche fortune 10. Avant de le faire, je pense que j'ai ce qu'il faut. Surtout avoir ça quoi, c'est monstrueux, mais faut une double compressée de crafting. Ouais, je sais qu'ils sont dans GregTech 4 après, mais c'est plus chiant dans GregTech. Après, il y a Botania qu'on pourrait faire. Oui, après les tinted drill et puis ton armure. Bah oui, je sais mon armure que je dois faire, mais j'attends que le fer fonde. Donc bon. Ah, l'armure de Botania, ouais, mais avant de faire l'armure de Botania, je te le dis tout de suite. Ouais. Ok. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Bien sûr. Pour faire la Man of Steel Helmet, il faut une Nama Weave Cole qui se fait avec une tête en laser autour de la Mana Weave Clock qui se fait avec des strings infusés. Ouais. Bon, ça va, tu vas y arriver. Tranquille. Ouais. Les machines, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, go faire Botania. Oui, Bobby. Faut déjà avoir du cuir aussi. Pour faire un livre, il y a un livre à voir ce qu'il faut. Ah ouais, non, mais le même le livre, il a changé de... Il faut de l'or. Oui, bah bien sûr. Ça, oui, ça plane pour moi. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, t'es sérieux pour les buckets? Comment est-ce qu'on fait les sauts, c'est ça? Ouais, avec des plates. Ah oui. Oh, le la metal press. Ça dérouille. Oh, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Le modpack, les gens, c'est... Ouais, je sais, Lily. Le modpack, c'est le FTB Affinity. Oups. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est pas con comme idée, sous les armes de Tomcraft. C'est pas con. Généralement, il y a des belles récompenses dessus. Après, il faut les trouver, les armes-là, mais... Surtout qu'en fait, les arbres, surtout les biomes de ce type-là, il y en a partout sur cette map. Il y en a vraiment, vraiment partout. Oh, de la mana. Oh, ça m'a rien fait. Déçu.
Et ouais, c'est pas con de chercher les... C'est Tech Reborn. Oui, c'est ça. Tech Reborn, ça remplace en fait le Greg Tech 3 qu'on a tous connu. Blood Seal? What the fuck? Et la tumeur. Ça serait con. Oui. Bon, c'est bien, il y a de la mana, donc je pourrais faire ce qu'il faut. Ils ont tous des problèmes avec le Nvidia, j'ai rien. Moi. J'ai rien du tout. Oui, après le nouveau mode pack, il est un petit peu. Oh, une node. Oui, j'ai eu deux heures d'eau. Voilà. Après, je sais qu'avec le nouveau mod pack Greg Tech, il est. Tous les minerais, tout ce genre de choses, on avait fait ça avec, avec Redix. Voilà quoi. C'est hard, hein. Il faut dire ce qui est. Ah, mais je reviens près du spawn ici. Ah bah oui, il y a une forêt. Bon, par contre, j'ai un petit peu mal la gorge parce que j'arrête pas de parler. Finalement, je vais peut-être aller prendre ma deuxième bouteille. Ah bon ? Ouais. Une bouteille d'eau, tu veux dire ? Non, non, la vraie bouteille. Je vais juste vous balancer quelques petites minutes de pub, les gens. Et je vais chercher ce qu'il faut. Donc à tout de suite.
Religion. Hop. Voilà. Donc, tranquillement, moi je suis en train de manger mon petit lapin. Non, c'est normal. C'est normal pour la chame. Bon, maintenant il faut trouver des arbres avec des spawners. Ça peut être intéressant. Je sais qu'elles sont très chiantes à trouver ces fleurs-là en plus. Ça cache pas comme fleur ? C'était une fleur de botania en scion. Elles sont très peu... Ah, un arbre, c'est cool. Ah bah merde, ça a été déjà... Fuck. Achievement gate. Ah, ça lagouille un peu. Fichier, l'arbre a été déjà plié. Dommage. Oui, ils ont trouvé un comment on appelle ça? Ah oui, un portal gun. Putain, ils étaient sur ces traces. Fuck. Donc du coup, c'est un peu raté, hein. Faire Tomcraft. Ah, t'écris comme ça Tomcraft, ok. Tomcraft se fera, mais avant de faire Tomcraft, il faut faire Botania. Avant de faire Botania, il faut Blood Magic. Et pour faire Blood Magic, il te faut Botania. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue. Foamcraft? Tomcraft, c'est Foamcraft? Ouais. Bon, évidemment, la matox est pas vraiment très bien considérée comme une pelle. Donc, sur certains modes. C'est chiant. Donc du coup, il faut miner en fait plus chiatiquement. Tomcraft c'est la magie chiante certes, mais surtout avec ce Tomcraft là et ce pack là, il y a un mode en particulier que je veux faire, après je ne sais plus du tout le nom, mais il y a un mode que je voudrais bien le faire. Ah bah oui, c'est justement la baguette, la fameuse baguette over illimitée là. Faudrait que je trouve une ingri quelque part, sans que je me fasse bouffer d'ailleurs. Ça sera un peu con. C'est long, hein, c'est très long. Hein. Avaria et Forbidden Magic, ouais, c'est ça. Avaricia. La fameuse baguette à 10 millions de.
Ouais, bah oui, les recherches sur Tom Crass, c'est pas forcément des plus simples à trouver, mais. Non, pourquoi je me mettrais en créa pour Niette ? La baguette est craftable, hein, sachant qu'il y a le mode. Oh bah 30 or, donc ça en fait 60 une fois fondu. Bah du coup on retourne dans la forêt. Bah, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, en tout cas j'aime bien ce genre de forêt, c'est toujours lumineux. Alors je sais pas si c'est mon pack qui fait que ça soit aussi lumineux que ça. Mais j'apprécie énormément. Oui, après la note, je sais qu'on peut se faire bouffer directement, mais généralement, si vous êtes méfiant avec les notes de loin, vous avez l'œil quand un bloc dépop. Et là, tu te trouves en face d'une dinguerie, tu te fais bouffer. Ah. Hop. Il faut un scoop avec une caméra, ouais. Hop. Bon, y a pas beaucoup d'arbres avec ce qu'il faut en dessous, c'est chiant. Après, comme c'est la génération de ATG, les biomes changent pas trop entre eux. Normalement avec ça je devrais avoir assez de bouffe. Bon, il y a le fer qui est là, le fer on va pas le prendre, le tin je m'en fous un peu. J'ai encore toute la bouffe qui est là-haut, je vais pas la prendre. Il y a un endroit particulier que je voulais bien me mettre, mais bon il aurait fallu un énorme... Bon, sympa. Une énorme plaine pour l'avoir. Ah ouais, c'est pas con, ouais, l'âme aussi. Ouais, putain, c'est trop loin, mini ça. L'âme aussi, ouais, je sais. J'oublie souvent de la prendre, l'âme aussi. Parce que généralement, tu arrives à faire les auto-repairs. Parce que j'ai l'habitude avec une iguana, donc c'est pour ça. De l'apatite, on s'en fout de l'apatite. Hop. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va miner un peu plus pour trouver au moins un peu de diams. Faut faire Go Nether. De toute façon, il faudrait un peu de bois quand même pour être sûr.
Dommage que j'ai pas la lumber axe, ça aurait été cool. Comme ça, les arbres, je les rase. Ça relague un petit peu. Et le bûcheron, tellement. Chromatic Rush, j'aime bien comme mode. Après, il faut savoir le faire. Chromatic Rush, quand tu connais pas, c'est hard. Hein, par contre. Et ça relagouille un peu. Même plus que la gouille, moi j'ai tellement out. Ouais. À Chromatic Craft, ce que je m'en souviens, Chromatic Craft, tu dois, en fait, ça sert la puissance des couleurs pour te générer de l'énergie, de pouvoir derrière. Après, comment on s'en sert? Il faut que tu ailles quasiment dans le cœur des structures pour développer l'aspect de cette couleur, par exemple la blanche, celle de base. Et que tu pètes le cœur entier. C'est vachement buggé. D'ailleurs, il n'y a pas du diamant en bas. Ah merde. Bon, bah tant pis. Ouais, c'est vrai que sur ce Chromatic Craft, les armes multicolores, là, les super bois, c'est super cool. Surtout, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des pommes de notch version un stack. Bon, par contre, ça te bouffe le biome à une vitesse grand V. Mais franchement, sinon, c'est très sympa. On a le Gritwood. Alors, du coup, il aurait fallu que j'aille dans le petit trou qui se trouve là-bas. Ouais, et ton gelou c'est la clé, mais c'est vrai qu'il te fout une de ces branlées dans la tête. C'est clair que tu le sens passer quand il touche. Hein. Bon, évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas de caverne. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Ah si, ça descend par là. Est-ce que ça descend vraiment tout en bas? On va dire que non. Waouh, une mini salle, waouh. Du coup, la roue en bois. Ouais, elle sert à rien, mais il faut qu'il fasse une matoc. Le Tinker, elle fait ou et en même temps pelle et hache. Ouais. Pourquoi moi je la vois la roue en bois? Ah oui, on peut pas la craft. Ouais. Oui, effectivement. Oui. Matoc, mais y'a pas Matoc vu qu'y'a pas de mecha, tu m'as dit. Non, ça c'est la Paxel. Ah oui, Paxel. Oula, je me mélange moi. Bah ouais.
Oh bien, je peux arrêter de vous amuser. Hein. Pourquoi il y a un truc qui va pas? Bah le gravier descend pas. Ah. Et David et Sushi se sont installés au bord d'un désert. Je vais t'envoyer le screen. Ouais. Voilà la tête du désert à côté duquel ils sont. What the fuck? Voilà. Et ça vient de s'update, c'est encore pire. Il y a du pétrole partout. Peut-être pour ça que ça lag, bah, ça update tous les blocs d'eau. Ouais, peut-être. Ah, c'est même sûr. Ah, mais ils ont tellement de pétrole, non, mais c'est juste hallucinant. Ouais, ce que je peux faire, je peux freiner un peu, je contiens juste leurs sources. Bah non, quitte la région, parce que là c'est infâme. Ah mais c'est juste à côté de chez eux, hein. Ils les génèrent tout seuls. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais sachant que t'es... Eux, ils sont en fait, à, par exemple, à moins 20 blocs du centre, là où t'es. Toi, tu génères 20 blocs encore plus loin. Donc tu génères, tu fais des updates. Ouais. Là, par contre, t'es vraiment infâme. Au VH, fais en sorte que tu ne crains toujours pas. Votre réseau pue la merde. La la la. Il m'a récupéré mon bloc. Oh, ça marche là. Bon, on ira faire ça plus tard, hein. On ira le minage plus tard parce que c'est très chiant. Par contre, je suis très loin. Ah bah. Ça a remarché avant de crash. Ouais, normal, plus de cam les gens.
Qu'est-ce que je fais? J'attends. Tant que le cerveau réponde. Mmh. Oui. Ah oui, d'accord, j'ai fait un sacré rollback. Très bien. Bah oui, je traverse les blocs. Bah oui. Bon, bah c'est très très chiant, hein. Merde, le serveur est erreur. User joined your channel. Uru. Allô, un peu de nouveau ou pas? Au village qui me casse les burnes, mais ça va. Ouais, donc ils sont toujours en train de bugger du cul. Hein. Mm. C'est con pour le coup que ça tombe justement ce soir. Ils savaient exactement ce qui couille ou même pas? Bah, je sais pas ce qui se passe, mais... On va peut-être faire un petit reboot machine entière pour être sûr, mais... Ok. De toute façon, je présume que vous nous tenez au jus, hein. Ouais. Je présume que c'est toujours pas jouable pour le moment. Bah ça jouait bien et puis d'un coup ça va pas du tout et bah là on essaie de faire un reboot machine entière. Voir si ça va mieux. Okay. Et puis... Ok ok. Bah du coup je reviendrai un peu plus tard à la limite s'il y a encore du monde ou quoi. Ciao. User left your channel. Ok les beaux. Bon bah si c'est comme ça toute la nuit, ouais bah, de toute façon on fera ça sinon dans 2 jours, hein. Tant pis. Ouais, on va se passer de LTP pendant quelques heures. Ouais. Épée. Vas-y, dis-moi. Suis-je le seul à boguer à ce point-là? Parce que voilà, je peux plus rien faire là. Non, mais en même temps, la commande de stopping the server est faite depuis 2 minutes et... D'accord. C'est juste que OVH fait de la merde. Ouais, c'est OVH ou c'est nous là? Non, c'est OVH. D'accord, je comprends. Bon, mais attends, l'argent éteint d'ailleurs, ton 500€ arrive dans pas longtemps. D'accord, ça marche, c'est gentil. User left your channel. C'est très chiant. Oui, bon, mais je pense que
Une fois que ça reboot, ça marche pas tant que ça, on pourra peut-être mettre un terme rapidement. Ouais. Au live hein. Bah, si le live, comment dire, finit ce soir sur un petit coup moyen, et il ne reprendra que demain de plus belle, donc bon. Oui, bah oui, Yosh, coupe carrément le courant, ça ira plus vite. Moi, t'es sûr d'éteindre la machine. Enfin, bref. Tant pis. Tant pis. Bon bah tant pis. On peut redémarrer par le panel, mais il risque de perdre des données. Bah Quand même pas perdre de données, il faut pas. Non, bah t'attends juste que le serveur truc hein, tombe. Hein, c'est... Tant pis, on va juste se laisser là, les gens. De toute façon, on reviendra demain pour faire une vraie suite. Quitte à. Il y a Lily qui dit arrête de donner des mauvaises idées. Je vais voir. Je fais ce que je veux. Ouais, hein, bon. Non, on va se laisser là du coup. Ouais, Shaq, vas-y. De toute façon, c'est une save auto directement. Ouais, serve lag pas trop, mon cul. Le bloc qui se loot 3 ans après. Oh bah, bizarrement, ça va mieux. Oh bah, oui, ça va mieux. Hein? Ah oui, effectivement, ça va beaucoup mieux. Ah bah ça va mieux. excellent. Ah bah ça va mieux maintenant. Ça va beaucoup mieux. C'est clair, ça répond. Mais bon. Bon bah tant pis. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Blue? Comme tu veux. Bah c'est toi qui me dis si tu veux qu'on aille dodo. Ah c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. De toute façon le serveur il est pas redémarré hein, faut. Oui, le temps de que la machine redémarre un petit coup. Non, nuance entre FTP et LTP. C'est FTP, c'est juste que les modes n'étaient jamais à jour, donc du coup, t'avais des corruptions de map à force. LTP, c'est des très bons modpacks, très bonnes machines, c'est juste un réseau qui suit pas. Et encore, c'est temporaire. Parce qu'après, oui, forcément, ça ira mieux. Enfin bref, du coup, demain, putain, je vais faire une petite repole pour ceux qui sont connectés. Chat permanent, non, scrutin, oui. Tu veux demander quoi dans ton repole? Ça, je peux te donner la réponse de suite si tu veux. Hein. Est-ce que demain ils seront là? Oui. D'accord. Ah mais attends, tu veux leur demander si demain ils veulent un live, est-ce qu'ils vont te dire non? Les viewers sont là pour toi, ils veulent du EP fort, ils veulent du LTP, alors jamais ils diront non. N'est-ce pas les viewers? Bon, s'ils disent non, là par contre...
Mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent... Go live 24 heures. Bah oui, t'as vu ma tête voilà. Actuellement. Allez, votez les petits. Votez, votez. Alors moi je dis oui au lieu de oui. Voilà. Et au lieu de oui. Oui, forcément les beaux qui disent non. Hein, hein. Mais ça marche pas dans le chat. Nah. Alors, ban les beaux. Je veux le nombre de gens qui sont inscrits, qui regardent le chat, qui répondent. Voilà. Et ça fait combien? 150. Ah oui. Et qui regardent le live, on a 200. Enfin, 180. Et du coup, là, t'as combien de votes pour moi? Bah là, j'en ai que 22. Ah bah alors? Bah apparemment ça bug pour certains. Ah, d'accord. Apparemment il... Ouais, ouais, il y en a certains qui disent je l'ai pas eu. Voter pourquoi ça bug, en vrai. Tac tac tac. En fait, de toute façon, ils sont tous pour dire oui, donc ça va. Oui. Bah, de toute façon, t'as mis que des oui en fait. Ouais, c'est pas faux. Vu comme ça. Bon, la machine entière est. Oh bah, il est en train de rebooter toute la machine entière donc. Donc c'est en train de redémarrer tranquillement. Tu. Oui, oui, c'est possible. Bah non, refresh, non, c'est bah ça prend du temps à démarrer LTP. Bah sinon quitte la console chaque comme ça je verrai. Non, des faits, si je vais sur un autre serveur, il faut que je relance le launcher actuellement donc non. Bon, vu que le Stropole ça marche pas très bien. Tu. Ah merci. 734. Ouais, c'est en train de loading les mondes. Ça charge les scripts. Voilà. Une belle erreur de Java qui vient d'apparaître, mais c'est pas très grave. Ça va unloader quelques mondes. Et voilà. Bizarrement, je suis tout seul. Hop. Alors de toute façon on va pas non plus très vraiment continuer ici les gens, on va plus aller se coucher. Et de toute façon il y aura un autre live demain, ça c'est sûr.
ça, je quitte la console. Hop. Tuc. Ouais, bah, zéro lag, du coup. Oh, du Yellorium. Du lead et du silver et du cinnabar. Hop, 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 hop. Alors je vais juste miner jusqu'à la couche du diams et puis on va se laisser là. Comment se TP à son home? T'en as fait un home? Ouais. Tu l'as nommé comment? Home. Bah slash home. Ah ouais, d'accord. Ça marche? Ouais, c'est pour shorty. Et ça marche pour shorty? Bah je sais pas. J'attends sa réponse. Ah, Yellorium, ça sert à rien sur machin, si, ça sert à quelque chose. Ça sert à faire avec du Big Reactor, donc... Ça a marché pour chanter l'homme. Ouais, c'est bon. Ils viennent confirmer. Good. Vu que c'est assez chiant pour faire le home. Ouais. C'est bien, je mets la torche et en même temps je mine le bloc qui est juste en dessous. Mais... Tout à fait normal, Albert. Un co-cube, ouais, il est peut-être nerf, sauf que moi derrière, j'ai remodifié les configs, donc il est dénerf. On entend de la lave, pas très loin. Bah tiens, qu'est-ce qu'on trouve à côté de nous? Quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comme c'est bizarre. Oh bah coucou toi. Oh du diamant. Bon, c'est là que tu regrettes que t'as pas fortune, mais... Voilà. Ok, bonne nuit, Mr. Wick. C'est moi, il y a un joueur qui est à côté de moi. Ah! Bah alors? Hein? Genre, on bloque. Bah non. Il y a de l'eau par ici. Bah oui, je suis en train de la chercher. Moi je cherche l'or. Tu cherches de l'or? Bonjour! Bonjour! Sayonara! Enfin, konnichiwa plutôt. Konnichiwa. Ouais? Bah oui, ça veut dire bonjour. Ah ok.
Là, je suis gentil, je t'offre ce gâteau. Mangez. T'as faim? Non, j'ai pas faim. Ah merde. Bon bah, après gâteau. Bon, moi je me prends hein, une petite chaise, je m'assieds tranquille. Alors c'est un diamant que tu me disais en fait, Toto, parce que j'ai mis diamant dessus, ça n'a strictement rien fait. Personnellement. Bah alors. Bonjour. Bonjour, ça va, tranquille. Tranquille. Ah ouais, pépère. Donc je vais prendre un petit hop là, tranquille. Oh, t'es tout mignon là-dedans. Bon, du coup, il me faut un livre, sinon je vais avoir l'air de quoi, moi. Ah, on peut pas mettre de livre? Attends, c'est possible. Shift-click. Ah non, ça marche. What? Bon, encore un truc bien bugué. Ah, voilà. Ah, oh. T'as vu? Vas-y. Bonjour. T'as vu un petit peu comment ça y est à l'intérieur? Oui. C'est génial. Alors, je voudrais écrire. C'est génial, tu te prends pour un écrivain en fait. Tu vas dans Minecraft, tu peux écrire tranquillos. Cool. Tu peux faire un truc sympa, non? Ah, par contre, de ligne en ligne. Voilà, monsieur. Oh! Bon. Et coucou. Ah oui, d'accord, effectivement. Oui. Ouais. Oh, le... Ah la vache, oui. C'est très la merde. Apparemment. C'est cool, je trouve ça cool. Ouais, moi j'aime bien aussi. C'est cool. Oui, effectivement, c'est marqué mining level obsidian. Mais je l'avais avant, je pense. Hein, mining level obsidian. Le fameux rubis qu'il en a besoin pour... je crois que c'est Industrial Craft. Ah, il y avait juste marqué reste en avant, ok. Bon bah. Ah, de la redstone. J'ai trouvé ma redstone, je suis content. Bonjour. Bonjour. En train de regarder un petit peu ce qu'il y avait. Absorption 4, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça te rajoute des cœurs temporairement. Oh. Ah mais du coup je suis pas en mode... Je vais mettre en mode passion juste pour voir combien de cœurs. Oh, oh shit. Ça m'a rajouté combien de cœurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cœurs, ça m'a rajouté le bordel. Oh, ça va. Ah, c'est de la sacrée potion, votre truc là. Botania? Ouais. Ouais. Oh, j'ai failli crever. Ok, Shaq. Capic. Briquet, c'est refine iron, Justine.
Captain Steel. Du Refine Iron ou du Steel. Si, si, du Steel Railcraft normalement. Bon, pour ça, il faut un Furnace machin. Bon, par contre, j'ai pas de pseudo. Moi. Bonne chance pour faire un saut. Oui. Voilà. Le craft marche, mais pas en... Bah moi en fait ça marche. La TOP aussi. Ah, il veut pas en fait me le passer. Ah ouais, c'est bien ça. Oh. Je lui passe quand même, je lui passe. Ouais. Oh. Il était beau le minerai. Putain, ce 2 il m'a écrit 50 millions de fois. Ah oui, c'est vrai que je devais aller chercher le livre de Tom Croft. Ah oui, nous avons de l'herbe. On va pouvoir le sniffer. Ouais, du ferrouille. Hop. Quel script, Toto? Putain, j'aime bien le dance minerai. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de mob, hein. Ouais. Et on est en difficulté combien là, attends, là, attends. Deux. Bah Toto, je ne sais pas pourquoi du coup, parce que même quand tu craftes des sticks, des simples le stick, ça t'en dit 2 à la base, et puis en fait, ça t'en donne 3. Du coup, je sais pas c'est quel script qui fait ça. Ouais, je sais de mettre du lapis sur. Après la piste, j'en ai 15, donc ça va faire juste fortune 1. Bah, bonne nuit à ceux qui vont dodo. Ouais, c'est vrai que la bouffe elle descend toujours pas. En fait, t'es bugué, hein. Peut-être aller remonter chez soi parce que
Ouais, bah Toto, ouais. Attends, j'ai trop de cobble, hop. Voilà. Du coup, t'es reparti? Ouais. Isa où? Non, toi, je te voyais plus près de bah, moi. Si, je suis là pour attendre. Ah, d'accord. Chouchou! Ah merde, il y a des escaliers! J'ai raté! Non, non, je vais passer le premier! Je vais passer le premier! Ah bah en plus, tu t'es piégé toi-même! Non. Bon, c'est pas moi, c'est pas vrai. Mais t'es allé le chercher loin, hein, ta grotte, hein? Ouais, mais vraiment loin. Non, et puis il a pas tout cassé, c'est pas vrai. Oui, je suis sorti. Alors j'aime bien ce trou d'eau qui descend jusqu'à la bedrock. Hein. En fait, à partir du spawn, je suis juste à côté, quoi. Je suis à 400 blocs. C'est vrai que la bouffe, elle descend absolument pas. Mais on n'est pas en... C'est quoi la commande pour mettre en... Voilà, en normal, c'est ça. Oh, belle crevasse. Ah bah oui, c'est celle que j'ai déjà eue. Ah bah non, bizarrement... Bizarrement, ça descend bien la bouffe. C'est en normal, c'est bon. Ouais. J'ai vu ça. Ouais, c'est sûr, c'est pratique. Il faudrait que je regarde les fleurs des Day Bloom. Hein, oui, je ne sais pas comment les récupérer celles-là. Et t'as des Nightshare aussi. En fait, tu peux faire un mini Botania généré ici. Ouais, c'est complètement ça. C'est génial. Tant je suis en créable, je m'en fous, je vais essayer. Je vais essayer de Botania, tiens. Du coup, ça marche comment en fait? Alors. Faudrait quoi, genre une mana pool de quoi tu la fous ici, c'est ça? Ouais, et tu il te faut de la comment Botania. Il faut quoi une... Oui, il faut ça. Il te faut une mana speeder. Comment on fait pour les relier? Il te faut la mana speeder. Mana speeder? Ah oui, le truc qu'on met au-dessus là. Ouais. Avec une cisaille, ouais, c'est peut-être possible, ouais. Bonne chance pour faire la cisaille. Oui, non, mais après, ça, c'est... qu'une partie, mais... Mana speeder, putain, franchement, je le trouve pas. Ouais, ça va, c'est deux lingots de fer, pour la cisaille. Ah bon? Ouais. Ça a changé, parce que quand je l'avais vu, là, ça avait l'air un peu plus compliqué. Je trouve pas la mana 558. Ah, mais genre ça ici là. Faut qu'il y ait un direction le mana pool. Ouais, faut juste que je mette la world. J'adore le cochon qui est en mode YOLO. Voilà. Et donc ça, cette fleur là, je la relis là. Non. Non, déplace la mana pool plus loin. Parce que déjà le faisceau, il faut qu'il y ait une connexion quasiment directe. Le mana speeder, mais là plus haut, mais le plus haut. Voilà. Avec ta baguette, voilà, t'es en mode vert. Tu fais shift click sur lui, et tu vois la mana pool. Shift click. Voilà. Voilà. Non, j'ai jamais fait de botanier alors que j'en ai fait. Maintenant,
ta baguette, tu fais shift clic sur lui, shift clic sur lui. Ouais. Jusqu'à quelle portée? Ah bah c'est bon. En train de générer. Retire-toi du mode. Du mode la baguette là. Attends, je peux tout relier. Il y en a trop, je peux pas tout laisser, je peux plus, j'en ai plus. Voilà. Ah, ça génère petit à petit, hein. Là aussi, ça génère petit à petit là-dessus. Comment ça? Ouais. Il est à la moitié du premier, de la première barre. Putain, ça génère vraiment en fait. Voilà, ça vient d'envoyer. Et on était à 3 quarts de la première barre. T'aurais pas deux iron contre ça? Mais il est en train de me faire chier à retourner là-bas quoi. C'est un petit troc sympa entre nous. Ouais, bah de toute façon je l'ai fait avec S2 pour le truc donc. Tu vas essayer, vas-y. Bon bah ça marche pas. C'est un peu chiant, dommage. J'aurais bien voulu. Bah oui, je trouve que ça génère pas mal, hein, ça génère bien. Ouais. Ouais, c'est des blooms Primus, ouais. Attends, essaie avec ça. Tiens. Vu que moi je suis en clash, je peux pas le faire. Non. Merde alors. Des blooms. Même la nuit, hein, la nuit, il disait se faire pas, il continue. C'est cool, ça, c'est cool. Hein. Ouais, c'est chelou. Bon, après, t'as la fameuse fleur de. Comment Avariacia, là. À mon avis, elle doit arracher du poney, le machin. Ça m'en étonne de les déplacer. Bah, non. Si c'est pas lootable. Voilà, des oignons. Si c'est pas lootable, on va pas les déplacer juste pour moi, quoi. De mob nether, j'en sais rien. Comment tu l'as fait d'ailleurs? Comment est-ce qu'elle se fait cette fameuse. Ouais, elle se fait pas. Primus, je sais pas ce que c'est. Je crois qu'elle pop seulement. Ouais, bizarre. C'est chelou. Hein, le cochon, c'est chelou. Donc voilà la génération de mana. Voilà, c'est cool ça. Hop, on vire tout. Ça n'a rien passé ici. Bon, bah tant pis. Bah ouais, surtout qu'elles sont là et elles sont à portée de main. Oh, oh, un knuckle, fragment, bladder. Cool. Putain, va pour miner l'obsidienne. Elle est quelque part par là normalement, ta base, non? Un peu plus loin, mais oui. Déménager, je suis à 500. Oh putain, 500 blocs. Je me casse. Je suis à 300 blocs. 300 blocs de quoi? De chez toi? Bah ouais,
Bien ça. J'aurais juré. Ouais, bon. Ok. Oula, les gars, en gris. Oui, il y a une grille zombie, je pensais une grille node. Ah oui, putain, une grille node. Je pense que t'aurais plus de stuff. Hein. C'est pas faux. Ouais, même pas un ping zombie dans le nether. Ouais, c'est complètement chelou le. C'est chelou. J'ai fort démarré le serveur. Pour X fois. Oui, après tu vois des mobs, mais c'est les notes qui lui font pop de force, donc bon. Ah oui, le point A en fait, je peux le supprimer. Voilà. Bon alors, minerai, 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 minerai. Minerai, 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 drai, 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 minerai. Ça, je compte pas vraiment ça comme des minerais d'ailleurs. On peut faire une saut. Oh, on n'en fait rien de celle-là. C'est pas le vrai rubis que je pensais. Après cobble, bah c'est bien gentil, mais j'en ai un peu trop. Quoique la cobble, je vais peut-être la garder. Voilà. Hop. Ça, je fous ça là, fous ça là, fous ça là. Hop, la cobble, l'âme aussi. D'ailleurs, l'âme aussi en parlant de ça. Hop. Oh. Voilà, comme ça, elles vont s'auto-repair les cocottes. Salut la witch là-bas. Vu que j'ai des bons souvenirs avec les witch, je vais pas m'en approcher. Des petits lagouilles, moi, je sais pas toi, mais. Ouais. Un peu aussi, des fois. Mais... Ouais, c'est chelou. Bah alors, t'es même pas éclairé ici. Bah non, je suis, c'est pas éclairé, pourtant je vois comme si c'était en plein jour. Bah pourquoi ? Ah non, c'était un bug du Brackness. Ok, très bien. Oui, effectivement, il fait tout noir d'un coup. Bon, éclairons un peu, hein, du coup. Ah, bizarrement, ça fait un peu mieux. Là, ça lagouille un peu. Voilà, j'ai éclairé autour de moi. Yep, bon bah voilà. Ouais, je sais qu'il y a un gros souci avec les mobs, c'est très chiant d'ailleurs. Botany, oui, je crois qu'il y a Botany dessus. Mais oui, je le ferai. Non, l'épée, je me la fais pas, c'est la mate que je me fais. La matoc. Matoc des gens heureux. Ah, une petite matoc en algo instable. Ouais. Pas mal ça, hein. Belle witch là-bas. Oh, une matoc en silver. Pas mal ça aussi. Ah, King Slime on me. Pourquoi est-ce qu'il y a partout King Slime on me? Ouais.
Bon, enfin bref. Bah du coup, on va se laisser là, les petits. On va se laisser là. On, de toute façon, on reviendra demain pour faire la suite. Ouais, on va aller manger un hamburger. Ouais. J'ai un peu d'écrou aussi. On va aller faire un petit hamburger, mais on peut perdre. Voilà. Bon bah tranquillement, du coup je vous balance 10 minutes de pause les gens et bah on se retrouve demain, même heure, 20h30 ou 20h, moi ouais, plus 20h. Non. On fait quoi 20h? Pardon? On fait 20h demain. 20h quelle heure? 20h, 22h30. Ouais, tu veux faire plutôt 20h que 10h? Bah si je fais 18h, je fais jusqu'à 21h. Comme tu veux. Demain... Ouais. Ouais, Toto, tu m'enverras ça sur Twitter en privé. Donc bah demain... Rendez-vous demain ici. À partir de 18h pour ceux qui peuvent, sachant qu'on est mercredi, jusqu'à 21h. Voilà, tu vois, je dors déjà. Sur ce, bisous tout le monde et à demain. Je suis pas comme Shorty, j'ai pas la pêche. La pêche, le fruit. Non, non. Oh là 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 là. Oh là là là, et bonne nuit. Et bonne nuit.